on a l'avantage à 50 ans d'Yvelines d'avoir de nombreux sites olympiques, comme vous le savez, avec plus de 4 cycles olympiques et 5 épreuves. Et donc, on a mis en osmose plus que jamais la semaine olympique avec l'ensemble de ces sites olympiques. Elle est à destination, bien entendu, des classes du territoire, de la communauté d'agglomération de 50 ans d'Yvelines. Les sites qui vont être visités par les scolaires et qui vont être utilisés par les scolaires, qui sont annonciateurs des Jeux olympiques, avec cette volonté, bien sûr, du sport au quotidien, de la pratique amateur, mais également de tous les aspects sociaux, mais également santé du sport, qui sont mis en exergue avec ces classes. Ce sont les sites du Vélodrome National, du Golf National, où nous nous trouvons en ce moment, de la Colline des Lancours, qui sera le futur lieu où aura lieu les épreuves de VTT, c'est-à-dire le site du BMX, qui se trouve au pied du Vélodrome National de 50 ans d'Yvelines, où de nombreuses épreuves auront lieu, avec d'ailleurs la visite de Tony Estanguet, qui, comme vous le savez, est le porte-drapeau, le chef de l'opération des Jeux Olympiques en France. Bien, on a appris les règles de base, et on s'est super bien amusé.